Ils sont environ une centaine de franco-comoriens rassemblés sur l'esplanade du palais de justice de Paris. Parmi eux, 60 membres de l'association des familles des victimes arrivés de Marseille après près de 14 heures de voyage en autocar. Sur leur visage, pas le moindre signe de fatigue, mais beaucoup de détermination. Après 13 ans d'attente, d'impatience, on est arrivé à notre objectif principal. L'objectif principal pour notre lutte, c'était d'arriver à ce procès qui va nous permettre d'établir la chaîne de responsabilité. Pour nous, c'est un grand jour. C'est l'aboutissement d'un combat. C'est le résultat d'un combat rude et impitoyable. Et je pense qu'on est fiers. Et nos morts aussi sont fiers du travail qu'on a fait. 13 ans, on dit déjà enfin que la vérité éclate. On attend que les responsables soient sanctionnés et qu'une justice juste pour nos familles et qu'on sache ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Ramada Asdi a perdu ses 3 enfants et son épouse suite au crash de l'Airbus A310 de la Yemenia Airways dans la nuit du 29 au 30 juin 2009. Pour la première fois, il prend la parole publiquement pour mettre des mots sur sa douleur. Aujourd'hui, c'est la colère. Aujourd'hui, c'est la colère qui est en face. Au total, 560 parties civiles se sont constituées à l'ouverture du procès. Elles sont accompagnées par un collectif d'avocats. On attend de ce procès que la vérité soit établie, que cette catastrophe qui était annoncée et prévisible soit jugée, avec déjà un immense regret, c'est que la compagnie aérienne ne sera pas présente, il n'y aura personne pour être à cette audience, et ça génère de l'indignation, de la colère, parce que c'est vécu comme du mépris. Dans la salle d'audience, Baya Bakari, la seule survivante du crash, est bien présente. Son témoignage, prévu pour le 23 mai, est très attendu.